Praise God. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Dieu Tout-Puissant. Thanks be to God. Merci au Seigneur. Praise the Holy Name. Nous élevons le saint nom de Jésus pour ce moment dans sa présence. Nous te magnifions, Jésus. Nous te magnifions, Jésus. Nous ne voulons pas être comme des instruments qui font juste du bruit, mais nous voulons être comme une bonne adoration levée pour la gloire de ton Saint-Nom. Afin que ceux qui nous suivent et adorent avec nous aujourd'hui en ligne, qu'ils soient certainement sous l'impactation globale de ta main puissante. Qu'il y ait une impactation globale de la main de Dieu. Et au nom du Seigneur Jésus, que chaque homme et femme qui vont nous écouter, que leur vie soit transformée. Et que leur vie ne soit plus jamais les mêmes. Je prie pour la grâce. Je prie pour la paix. Et nous prions pour l'intervention divine de ta lumière pour toucher et délivrer les vies. Merci Jésus. 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 Gloire à Dieu, nous sommes heureux de vous avoir en ligne. Nous vous remercions d'être connectés. Nous sommes présentement durant la troisième session de notre culte aujourd'hui, qui est consacrée aux questions-réponses. Nous avons eu le privilège d'être enseignés sur des sujets divers depuis que l'année a commencé au mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes ici avec l'homme de Dieu, le prophète Joël Utuka. Merci beaucoup. Et nous avons aussi Pasteur Sam. Nous sommes très reconnaissants de vous avoir avec nous. Tout au long du mois, juste pour vous aider alors que vous envoyez vos questions, les sujets divers dont nous avons parlé sont les suivants. L'onction élémentaux, la vie éternelle, la puissance du salut dans le mariage, la présence de Dieu, les fleuves d'eau vive, l'alliance de la prospérité, le mystère de l'Église, les portes du ciel et le mystère de l'existence. Nous avions juste voulu vous rappeler les sujets divers que nous avons traités cette année, alors que vous envoyez vos questions. Je le sais et j'ai bon espoir que nous serons en mesure de vous répondre par la direction du Saint-Esprit. Je sais que pour nombreux d'entre nous, ce sont des moments d'épreuve, c'est comme si le monde s'était arrêté, mais je sais que c'est durant cette saison que la parole de Dieu est la seule chose qui va nous aider à nous en sortir. Voilà pourquoi nous sommes ici brièvement et succinctement pour communier ensemble. Alors si je peux aller à la première question, nous avons une question relative à l'onction et au manteau. Voici la question posée par un téléspectateur. Comment être capable d'établir la différence entre l'onction authentique sur un serviteur de Dieu et la fausse onction? Comment être capable de différencier l'original du faux? Comment être capable de le faire? Avant pour moi de répondre aux questions, j'aimerais d'abord vous dire merci. Merci d'être ici. Et merci de servir Dieu dans cette saison et ce temps. Merci, Pasteur Sam, aussi d'être ici. Il y a un chaos et une sérieuse convulsion dans le monde à l'heure actuelle qui conduit les gens à la peur. Et la peur de la mort est entrée dans le cœur de plusieurs personnes partout dans le monde. Mais je prie que ma présence et la vôtre soient un réconfort et un espoir pour quelqu'un qui nous suit maintenant. Oui, vous serez édifiés et vous serez fortifiés. Et pour revenir sur la question sur l'onction et les manteaux, je pense que je souhaiterais d'abord, avant de toucher aux questions,
J'aimerais dire un mot sur la situation et les événements qui sont en cours actuellement dans le monde. Mettons de côté celui qui a toujours été sous l'influence d'une peur démoniaque, ok? Parce que la peur s'est propagée partout et cette situation est très dangereuse. Je vous l'ai dit, cette situation est dangereuse. Non, je vous le dis encore, cette situation est très dangereuse. C'est une petite chose, mais qui devient très dangereuse. Parce que la peur peut donner des chasses à quelque chose qui n'est pas du tout puissant pour finalement le rendre puissant. Et je crois que c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. La peur a amplifié cette chose en quelque chose de beaucoup plus grand et de plus fort. Mais spirituellement, qui qu'il soit, cet esprit qui est venu des eaux n'est rien. Je vous le dis, il n'est rien. Il y a une puissance plus grande. Permettez-moi de dire cette déclaration que le Seigneur m'avait donnée. Il m'a dit que c'est une erreur de dire que l'Église a la puissance. Ça donne l'impression que l'Église possède une puissance. L'Église est la puissance. L'Église est la puissance. Alors, tant que l'Église est dans le monde, nous sommes la puissance qui empêche que la manifestation du mal se produise totalement dans le monde. Cette chose qui vient des eaux, rappelez-vous, Satan est un être déchu. Il a combattu au ciel et il est venu combattre sur terre. À l'heure actuelle, c'est un combat. Je vous le dis, partout où cet être se manifeste, il y a un combat. À l'heure actuelle, nous sommes face à une bataille. Rappelez-vous la dernière fois quand je suis venu ici le 31 décembre 2019. Beaucoup d'entre vous ont peut-être oublié, mais la vidéo sera disponible, vous verrez. Je suis venu ici 10 minutes avant minuit. Je suis venu et j'ai annoncé prophétiquement à toute personne qu'il y avait un calendrier et que l'ennemi avait préparé contre 2020. Et d'après ce calendrier, l'ennemi avait planifié de tuer les gens prématurément et de répandre la maladie dans le monde. Pour vous montrer qu'il y a ce que Dieu planifie et ce que le diable planifie. Mais lorsqu'il est question pour l'Église de faire face à cette situation qui se déroule aujourd'hui dans le monde, écoutez, il n'y a pas de médicament qui puisse guérir une attaque spirituelle. Il n'y a pas de vaccin qui puisse guérir une attaque spirituelle. Pourquoi cette chose est maintenant allée au-delà de l'intelligence humaine? Parce que cette chose est spirituelle. Ceci est vraiment le moment où le monde entier, ainsi que toutes les nations du monde, devraient écouter la voix de l'Église. Je ne vois pas les hindouistes résoudre ceci, ni moi encore les musulmans résoudre cette situation. Tous ont le regard tourné vers Dieu maintenant. Ils placent leur confiance maintenant au nom de Jésus. Je n'ai jamais vu aucun autre nom guérir les malades dans le monde, si ce n'est le nom de Jésus. Donc, il n'y a que le nom de Jésus qui est capable d'offrir la solution à n'importe quelle situation qui se présente aujourd'hui dans le monde. J'ai cette forte conviction que les nations doivent s'arrêter à un point et à un niveau où ils doivent reconnaître la grandeur de la grâce que Dieu a déposée dans l'Église. Si seulement les gouvernements du monde pourraient s'humilier et se confier à l'Église. Je l'ai vu en Tanzanie. Je l'ai vu aussi au Burundi. Je l'ai aussi vu au Ghana.
Et vous pouvez voir que ces nations où les présidents se sont soumis à Dieu, il y aura moins de problèmes. Il y aura moins de problèmes. Parce que ceci est le moment où Dieu veut élever une seule montagne. Rappelez-vous des portes des cieux. Ceci est le temps où Dieu veut élever une seule montagne. Pas la montagne des médias, ni la montagne du gouvernement, ni celle de la famille ou les autres, seulement la montagne Église, à partir de laquelle le monde entier écoutera la voix de Dieu à travers son Église. Oui. Alors, Dieu a choisi des personnes spécifiques maintenant pour communiquer sa pensée. J'ai parlé de quelque chose récemment. Savez-vous que lorsque Dieu semble silencieux, il continue de parler? N'est-ce pas? À l'heure actuelle, il semble au monde comme si Dieu est silencieux, mais il y a des gens qui peuvent accéder au silence de Dieu pour saisir et interpréter le message caché dans son silence. Qui sont ces gens? Si je garde le silence maintenant, je peux ne pas parler maintenant, n'est-ce pas? Mais mes pensées continuent de parler. Mon esprit continue de parler. Quand Dieu semble garder silence, mais qui peut entrer dans le silence de Dieu pour saisir le message prophétique de Dieu concernant le temps présent? Je vous citerai l'exemple de Michée. Il avait pu accéder au silence de Dieu. Il pouvait pénétrer et ressortir avec la pensée de Dieu concernant les temps présents. C'est un moment où seuls quelques spécifiques hommes de Dieu seront révélés au monde. Ceci est le moment qui va révéler les vrais oints de Dieu. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus de place pour les prophéties individuelles. N'est-ce pas? Maintenant, il n'y a plus que des personnes à la recherche des miracles. Tout le monde est confiné à la maison. Imaginez ce qui est en vogue maintenant. C'est le ministère de l'enseignement. C'est là que nous découvrons ceux qui ont la vraie onction dans leur vie. Parce que ce qui va aider les gens maintenant, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie et la lumière. À l'heure actuelle, la personne que vous écoutez et qui focalise votre attention doit avoir le message de l'heure. Oui. Et ses paroles doivent apporter la vie et la lumière. Dieu est occupé maintenant à élever les vrais oints, ceux qui peuvent expliquer les mystères du moment liés à la parole de Dieu. Cela va réconforter les gens, ça sera une prophétie pour les gens, mais à travers la parole de Dieu. Imaginez maintenant si un prophète se tient ici et commence à mentionner les noms des gens et dit que vous êtes ceci ou cela. Dieu va vous accorder un grand miracle dans les prochains jours. C'est bien. Les préoccupations des gens sont ailleurs et se focalisent sur la peur de la mort. Ils ont donc besoin d'une prophétie qui vienne de la parole de Dieu. Et c'est le moment où la Bible dit « Dieu a donné sa révélation ». Souvenez-vous de cela. Permettez-moi de vous montrer cela. Allez dans Psaume 25. Le pasteur Sam puisse le lire. J'espère que, chers téléspectateurs, vous avez aussi vos Bibles. S'il vous plaît, lisons ensemble pour que nous soyons sur le même diapason. Psaume 25. Êtes-vous là? Lisez à partir du verset 11. Commençons à partir du verset 11. Psaume 25. Je lis à partir du verset 11, j'espère que vous y êtes. La Bible dit, « C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. »
Qui est l'homme? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? À cette personne, Dieu lui montrera la voie à choisir ou à suivre. C'est donc à travers le ministère de l'enseignement que vous verrez les personnes qui viennent avec la vraie parole de Dieu liée au moment. À travers l'enseignement de la parole, vous verrez les personnes avec la vraie onction de Dieu sur leur vie. Au travers du ministère de l'enseignement. Il est difficile, notez-le, il est très difficile, très difficile pour qui que ce soit qui ne craint pas Dieu d'enseigner en accord avec ce qui est dans la pensée de Dieu. Il y aura toujours une barrière, vous ne pouvez pas y accéder. Mais lorsque vous commencez à prêcher en accord avec le message de Dieu lié au moment, alors vous aurez accès à sa présence parce que vous le craignez. Est-ce que nous nous comprenons? Continue. Et la Bible dit, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Donc la personne reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. En d'autres termes, ils vont dominer les nations. Et le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Oh mon Dieu. Ok. Donc, si je désire connaître ce qui est dans le secret de Dieu concernant le temps présent, quelle est la clé? C'est la crainte de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un comme un homme que j'aime et honore, je l'aime beaucoup. Lorsque je vois un mentor comme Emmanuel Makandiwa, qui a prophétisé 5 années à l'avance sur le secret des mystères qui se déroulent aujourd'hui. Vous savez combien de gens sont passés à côté de cela? C'est le moment de découvrir ceux qui sont proches et ceux qui sont éloignés de la présence de Dieu. Ceci est le temps de découvrir ceux qui sont déméchés, ceux qui sont les élus des nations. Ceux qui peuvent avoir accès à l'intimité de Dieu. Je me rappelle que l'année dernière, j'étais venu ici et j'ai annoncé que quelque chose était sur le point d'arriver dans le monde qui causera une crise dans le monde. Donc, Dieu se déplace auprès des personnes spécifiques qui sont proches de lui pour leur dire ce qui va se produire avant que les choses n'arrivent. Seulement, ceux qui ont accès à ces secrets. Et la clé pour avoir accès aux secrets de Dieu, il est écrit sur cette clé, la crainte de Dieu. Vous pouvez tous recevoir l'onction, vous pouvez tous être loin. Mais pour que les gens pénètrent les secrets profonds de Dieu, cela est seulement réservé à ceux qui craignent Dieu. Et même vous pouvez ouvrir la Bible, les révélations de Dieu sont seulement pour ceux qui le craignent. Alors quand les gens ouvrent la Bible exige d'aller au-delà des Écritures. Cette chose au-delà des Écritures qui vous permet de sortir le message hors des Écritures, vous ne pouvez pas les faire ressortir si vous êtes habitué au péché. La sainteté joue un grand rôle quand il s'agit de révéler les secrets du ciel. Et le ciel est un endroit secret. Alors, pour accéder à Dieu, vous avez besoin d'une clé, la crainte de Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme dont on peut se moquer, n'est-ce pas? Il n'est pas un homme dont on peut se moquer. Cela signifie que nous venons devant lui, mais nous avons différentes choses derrière nous. Nous sommes hypocrites devant les yeux de Dieu. Nous faisons des choses derrière et au-delà de notre dos. Et nous l'approchons en levant les mains et nous disons des choses sans savoir que nous nous moquons de lui. Tu penses que tu adores Dieu, mais en réalité, tu te moques de lui. Tu prétends être saint, mais au fond de toi-même, tu sais que le secret de Dieu n'est pas avec toi. Et devinez quoi? Le secret, c'est la puissance. La puissance, c'est la connaissance. Donc, quand Dieu vous donne un secret, cela signifie qu'il vous expose à une connaissance spécifique. Et lorsque cette connaissance pénètre en vous, elle vous procure la puissance de faire quoi? De dominer sur le virus.
Vous comprenez maintenant? Il y a un secret que seuls ceux qui ont la crainte de Dieu possèdent. Comment ils se protègent par rapport à cette situation? Ils sont remplis de paix, comme je le suis maintenant. Parce qu'ils ont le secret de la connaissance. Il y a un secret. Il y a un secret. Puis-je vous choquer? J'étais en train de parler à mes membres de famille qui sont en Europe. Mon neveu avait aussi contracté ce virus en Europe. Ça l'avait attaqué. Il m'avait appelé. J'ai dit OK. Après quelques jours, le virus lui-même avait disparu. À l'heure actuelle, on avait parlé, il va mieux, il se promène. Je vous le dis. J'ai parlé avec lui sur vidéo call, il se promenait, il est même allé au supermarché, il se porte bien, il est guéri, plus de fièvre, plus de tout, il est guéri. Deuxièmement, ma soeur, en Europe également, elle avait également contracté le virus. Et lorsque le virus l'avait contracté, elle m'avait appelé en Suisse. Et j'ai dit, pas de problème. Elle m'a dit, je me sens faible, ceci, cela. J'ai dit, pas de problème. Je l'ai appelée hier, elle était à l'extérieur, elle m'a dit que le virus avait disparu. Est-ce que tu as pris un médicament? Non, pas de médicaments. Pas de médicaments. Le secret. Le secret. Pour vous montrer qu'il y a plus de personnes qui guérissent au nom de Jésus que ceux qui contractent la maladie. Mais les médias ne veulent pas en parler parce qu'ils veulent effrayer les gens. La puissance est maintenant dans l'Église. Ce n'est pas dans les médicaments. La puissance est dans l'Église. Et par la puissance du nom de Jésus, les maladies vont guérir. Donc, si cette prière est faite aux personnes qui sont à distance et reçoivent la guérison, et ce COVID-19 disparaît, simplement au nom de Jésus, et même la personne n'est même pas proche. Donc, spirituellement, nous attaquons cet esprit. Et l'esprit sait que ne peut pas rester chez celui-là, parce que quelqu'un a le secret qui nous pousse à ne pas rester dans ce corps. Tu ne peux mourir si tu as un homme qui a le secret de Dieu près de toi. Tu ne peux pas mourir. Vous ne pouvez pas mourir si vous avez un homme avec le secret. Imaginez, peuple de Dieu, vous connaîtrez les personnes qui ont le secret. Voici. Quelqu'un était envoyé. Monsieur, allez et faites-moi manger. Les gens dans la classe ont très faim. En effet, le monsieur était parti dans la forêt et il a cueilli certains fruits. Je ne sais pas si le monsieur somnolait et que son sommeil n'était pas encore bien terminé parce que les enseignements d'Élisée étaient très longs. Alors, il est revenu avec des fruits empoisonnés et des légumes. Il les a découpés. Il a préparé cela dans une grande marmite. Qu'on dit soufourir, j'aimerais l'entendre le dire en swahili. Je pense que je le dis bien, soufourir. Une grande soufourir parce qu'il savait que ce grand nombre de personnes devaient manger. Le maître m'a donné l'opportunité de préparer pour mes condisciples. Aujourd'hui, ils sauront que je sais préparer. Il a commencé à préparer. Et il a préparé. Quand il a fini, il a appelé les gens, venez et mangez. Quand un garçon est dans la cuisine, vaut mieux ouvrir ses yeux. Le monsieur a préparé. Et devinez quoi, les personnes qui étaient invitées ont consommé du poison. C'était du poison. Et ce coronavirus, c'est du poison.
Ils ont consommé du poisson et chacun criait, nous mourrons. Ils ont confessé, nous mourrons. Mais regardez le calme du prophète. Regardez la paix. Admirez la stabilité que cet homme avait. Il a dit, calmez-vous, où est le repas? Donnez-moi de la farine. Il a pris de la farine et il a fait quoi? Il a mélangé cela au repas. Et il a dit, c'est maintenant comestible et sans danger. Le prophète a le secret pour que ce virus cesse. Les gens qui sont en oint ont le secret, mais ils ne sont pas consultés. Ils ne sont pas consultés. Imaginez aujourd'hui si le monde pouvait consulter mon mentor, le prophète Emmanuel Makandiwa, et lui dire, tu avais prophétisé. Quel est le secret? Vous savez que ce problème serait déjà terminé. Parce qu'il a parlé à ce sujet. Il a prophétisé avec clarté. C'est juste de l'orgueil. C'est juste de l'arrogance dans le monde. Ils ne veulent pas. Ils veulent trouver les vaccins par leur propre laboratoire, mélanger ceci et cela. Ils sont en train de créer plus de poison pour tuer les personnes dans le monde. La prophétie a dit, s'ils cherchent un vaccin sous l'influence de la peur, ils créeront une autre maladie. Ils vont créer une autre maladie, ça sera un autre problème. Et le problème est celui-ci, peuple de Dieu. Le secret du Seigneur est avec ceux qui le craignent. Ceux qui craignent le Seigneur. Où sont ceux qui craignent le Seigneur? Et la Bible termine par dire, et il finit par leur révéler son alliance. Attendez. C'est si merveilleux. Je lui révélerai quoi? Mon alliance. Quand Dieu parle d'alliance, l'alliance des dieux, depuis lors jusqu'à présent, l'alliance des dieux est dans sa parole. Il ne te montrera pas son sang, mais il te montrera sa parole. Car Jésus, avant de verser son sang, était d'abord la parole. Je vais donc te révéler l'alliance, le secret de la parole de Dieu. En d'autres termes, je te révélerai le secret de qui je suis. Qui suis-je? Je vais te le révéler. Et je ferai quoi? Je vais leur faire découvrir mon alliance. Et cet homme qui craint Dieu dit, « Mes yeux sont constamment tournés vers toi, Dieu, car il fera sortir mes pieds des filets, hors des problèmes, hors du COVID-19. » Quelqu'un qui te donne le secret de la parole de Dieu, soudainement, il te fait sortir de ton problème, il te fait sortir de ta maladie, il te fait sortir de l'emprise du démon qui voulait te tuer prématurément. Seulement celui qui a le secret de l'alliance. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui a l'œil de la révélation de la parole que nous ouvrons maintenant. Alors que nous parlons, la guérison prend déjà place, n'est-ce pas? Parce que la personne a quoi? La parole. La parole. Je crois que ce n'est pas le moment pour les gens d'écouter les prophéties individuelles, même si c'est bon, mais c'est le moment d'écouter la parole, la lumière de l'enseignement de la parole. C'est le temps pour les gens de grandir dans la parole de Dieu et de persévérer. Ok? Est-ce que je vous ai répondu? Clairement, il nous a été dit d'accéder à l'endroit secret pour saisir la pensée de Dieu. Et nous pouvons clairement dire qui est véritablement oint et qui ne l'est pas. La seconde question est toujours relative à l'onction et au manteau. Ils demandent quelle est la différence entre l'onction et le manteau. Sont-ils les mêmes choses? Ces termes peuvent-ils être interchangeables ou sont-ils différents? Ok. Est-ce que je peux expliquer cela? Attendez un instant. Le Seigneur veut que je réponde à quelque chose d'autre que celle-ci.
Go to Malachi chapter. Allez dans Malachi 3. Malachi chapter 3, verse 6. Malachi 3, verset 6. Téléspectateurs et téléspectatrices, ouvrez vos Bibles. Malachi 3, 6. Que dit la Bible? For I am the Lord. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Attendez. For I, car I am je suis l'Éternel et je ne change pas. Par conséquent, vous n'avez pas été consumé. Arrêtez-vous là. For I, car the Lord, je suis l'Éternel I do not change. Et je ne change pas. Therefore, et par conséquent, Israel, toi Israël, tu n'as pas été consumé. There is another Il y a un autre secret là-bas. Watch me. Suivez-moi. Il y a un autre secret là-bas. What is the Quel secret? Est le secret? I, the Lord. Moi, le Seigneur. Who is the Lord? Qui est le Seigneur? Hein? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, comment lui-même se fait-il appeler? Elohim. Elohim. Yahweh. Yahweh. I am the eternal Je suis le Dieu éternel. N'est-ce pas? So, donc, when he said, quand il I dit, the Lord, je suis l'éternel change, Dieu et je ne change pas, Israel, et toi Israël, tu ne seras pas consumé. So God donc, is giving us Dieu the nous secret. Donne le secret. Israël, 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 my sister, ma my soeur, brother, mon frère, you tu existes because parce que moi, I, the Lord, l'Éternel, je ne change pas. I, the Lord, moi, I am eternal. L'Éternel, je suis éternel. Therefore, et par conséquent, you will not be vous ne serez pas consumé. Chrétien, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai pressé cela tout au long des enseignements sur les mystères de l'existence. Quand le Seigneur dit cela, par ma présence à côté de toi, Israël, par moi, le fait que moi je suis près de toi, aussi longtemps que je serai près de toi et au milieu de vous, vous ne serez pas consumé. Donc, la raison par laquelle vous existez et que vous n'êtes pas mort, ce n'est pas parce que vous êtes jeune, ce n'est pas parce que vous avez 21 ans, ce n'est pas parce que vous vous confinez à la maison, ce n'est pas parce que vous êtes loin des personnes qui sont déjà contaminées par ce virus. Mais la raison pour laquelle vous êtes épargné, c'est parce que moi, le Seigneur, je n'ai pas changé. Et j'ai dit que je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin. À l'heure actuelle, Dieu est en train de démontrer sa fidélité à son peuple. Je ne change pas. En tant qu'un Dieu éternel, il a accepté d'entrer dans l'existence. Qui est dans l'existence? Nous sommes dans l'existence. Cela signifie qu'il est entré dans l'existence pour prolonger nos jours. Il a dit qu'il va nous montrer sa miséricorde et son salut. Et le salut signifie la vie éternelle. Il dit, je vous donnerai la vie au milieu de l'existence. Parce que cette maladie, ce virus, réside maintenant dans la sphère de l'existence. Et tout ce qui entre dans la sphère de l'existence a une date de fabrication et une date d'expiration. Ça a été fabriqué quand, ou bien mis en circulation quand, en décembre. Donc c'est entré en décembre. Et ça tue les gens. Et il y a aussi une date d'expiration. Donc on a besoin de quelqu'un qui peut voir ce matériel prophétiquement pour voir la date de mise en circulation, il peut le voir et il peut également voir à quel moment la date d'expiration va se produire. Cette personne peut alors lever sa voix et dire quand ça a commencé, quand ça va se terminer. Et cette personne doit être quelqu'un qui vit dans l'éternité, qui ne vit plus dans l'existence. Cette chose qui est venue dans le monde, écoutez-moi, ce n'est pas une chose éternelle, ça aura un terme. Je vous l'ai dit, peu importe combien nous pouvons prier, combien nous pouvons jeûner, si le temps de Dieu n'est pas encore totalement accompli, peu importe combien nous pouvons jeûner et prier, cette chose ne s'arrêtera pas. Je vous ai dit qu'il y a un temps
qui doit s'écouler avant que cette chose ne se termine. Oui, nous prions, mais il y a un temps spécifique où cette chose doit se terminer. Jusqu'à ce que ce temps arrive, cette chose ne s'arrêtera pas. Nous prions, mais le temps de Dieu doit sonner. Vous vous rappelez lorsque le peuple d'Israël sont sortis de Babylone à travers la captivité. Dieu a prophétisé à son serviteur Jérémie et lui a dit qu'il y aurait une captivité pour 70 ans. Et la Bible a dit, durant les 70 ans, dans les livres de Zacharie, les gens priaient et jeûnaient. À travers les 70, criaient, mais Dieu n'entendait pas. Jusqu'à ce que la parole prophétique s'accomplisse à l'année exacte, au mois exact, au jour exact, c'est alors que Dieu a écouté la prière. Regardez ceci. La Bible dit que quand les 70 ans se sont accomplis, un ange est envoyé vers le trône des dieux. Quand cet ange est envoyé, l'ange a circulé à travers le monde. Et il est revenu à Dieu et il a dit, « Dieu, c'est comme si la terre est silencieuse. » Suivez-moi attentivement. J'aime ces déclarations. Lorsque je lis ces textes, l'ange est venu vers Dieu et il a dit, « J'ai circulé à travers le monde. » Et c'est comme si la terre est silencieuse. C'est comme s'il n'y avait qu'une seule personne qui faisait du bruit dans le monde entier. Et l'ange a continué à dire, « Voilà maintenant que ça fait 70 ans que Israël est en captivité. Est-ce que tu peux leur manifester ta miséricorde? Est-ce que tu peux manifester ta miséricorde à Israël? Parce que maintenant, cela fait 70 ans. C'est alors que Dieu s'est détourné et a commencé à parler à l'ange. Il a dit, effectivement, ça fait 70 ans, j'aurai compassion d'Israël. Je pardonnerai Israël, je visiterai à nouveau Israël. Alors, à quoi servaient les prières, les jeûnes, les semences que l'Église, à l'époque, avait fait durant les 70 ans? Dieu n'écoutait pas. Dieu n'entendait-il pas? Jusqu'à ce que les 70 années prophétiques devraient s'accomplir. Et il a prophétisé en disant, « Tes jeûnes réalisés dans le chagrin seront changés en jours d'allégresse. » Toujours en Zacharie. Ça va changer en jours d'allégresse, non plus en jours de désolation. Écoutez, cette chose appelée coronavirus, ça a une date de mise en circulation, une date d'expiration. Peu importe combien nous prions et jeûnons, nous devons le faire maintenant prophétiquement pour savoir à quel moment nous devons prophétiquement jeûner ou prier. Pour que nous puissions arrêter cette chose. Mais à l'heure actuelle, nous devons juste faire usage de préservation et de protection. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait en terre étrangère. Ils étaient en train de faire usage de la préservation et de la protection. Ils étaient en train de faire usage de la protection et de la préservation en étant dans la présence de Dieu dans les lieux secrets. Ils étaient préservés et protégés. Mais quand le temps prophétique était arrivé, c'est alors qu'ils sont sortis et ils ont annoncé à Dieu que c'était le temps. Et un ange est envoyé. Et actuellement, Dieu est sur le point d'envoyer un ange. Il y a un ange. Cette chose est trop insignifiante pour Dieu. Seul un ange peut mettre un terme à cette chose. Pour vous montrer combien c'est tellement insignifiant. Un seul ange peut terminer cela. Juste un seul ange. Je ne parle même pas de deux anges. Juste un ange. Pour vous montrer combien Dieu est puissant. Juste un ange envoyé. Il va nettoyer tout cela sur la terre en une journée. L'éternité dans l'existence. Je suis vivant car il est avec moi. Pas parce que je suis confiné à la maison. Il est avec moi. Ceci est le temps de faire confiance à Dieu et vivre dans l'endroit où Dieu réside. Demeurer en l'endroit où Dieu demeure. Ceci est le temps. Lisez 1 Corinthiens 15, 51. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Lisez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51.
Je ne sais pas si je serai en mesure de répondre à toutes vos questions aujourd'hui, parce qu'on apprend beaucoup, mais j'ai déjà répondu à la majorité des questions. Nous apprenons et nos esprits sont édifiés. Plusieurs questions sont en train de venir. Je pose la question de savoir si le temps prophétique peut être abrégé et être amené à se réaliser ce mois où nous vivons avec le secret de Dieu. Que les 70 années soient abrégées pour que nous retournions au travail. La Bible dit, Dieu veille sur sa parole. Il est sa parole. Le seul moment où Dieu peut rappeler ce fléau d'où il est venu, seulement si son peuple s'humilie et prie. Souvenez-vous, Dieu avait aussi envoyé un prophète, le prophète Ésaïe, pour prophétiser à Ézéchias en lui disant, « Roi, tu vas mourir. Peu importe combien tu peux jeûner, tu vas mourir. » Donc, prophétiquement, le roi devait mourir. Le temps était déjà arrivé. Mais le roi s'était humilié. Quand le prophète sortait et était presque arrivé hors du palais, Dieu a entendu la prière d'Ézéchias qui disait quoi? « Seigneur, je ne vais pas mourir. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes bienfaits. » Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Dis au Seigneur, rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de mes semences, de mes offrandes. C'est le temps dont je vous ai parlé le mercredi. Faites du bien aux autres. Soutenez les autres. Aidez ceux qui sont dans l'affliction durant cette période. Souviens-toi de mes bienfaits, ô Dieu, et secours-moi. La Bible dit quand le prophète était sur le point de sortir, il a entendu la voix de Dieu de rentrer au roi. Dieu aime que les gens s'humilient. Cette pandémie est en cours parce que les gens ne s'humilient pas. Les nations ne s'humilient pas à Dieu. Ils veulent se confier à leur propre intelligence et Dieu leur dit, je vais vous éprouver et je vais l'intensifier encore. Alors, l'humilité joue un grand rôle. Vous pouvez abréger le temps de la pandémie ou choisir de l'étendre. Si Israël pouvait s'humilier, rappelez-vous, la Bible dit, Dieu avait envoyé un prophète pour dire, Israël, humilie-toi. Ils ne se sont jamais humiliés. Ce n'est que lors des 70 années qu'ils se sont humiliés. Chaque fléau peut être abrégé si seulement vous vous humiliez. Avant que Pasteur Sam ne lise, je pose cette question. De même que lorsqu'il y a un produit, comme vous l'avez dit, cette pandémie a une date de fabrication et une date d'expiration. Normalement, lorsque nous avons un produit que nous l'utilisons, quand vous n'êtes pas au courant de la date d'expiration, vous allez continuer à l'utiliser. Donc ça m'a conduit à cette question. Et je pense que je serai correct de le dire, nous avons besoin du prophétique en ce temps, parce que comment sans lui, nous pouvons savoir que cette chose est arrivée à expiration et que c'est le temps où on doit s'élever et arrêter ce virus à travers la prière. Vous venez d'annoncer quelque chose. Nous avons besoin du prophétique. Regardez comment le monde critique les prophètes. Maintenant, ils ont besoin des prophètes. Nous avons besoin des prophètes. Nous avons besoin des prophètes. Lisez 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Quel est le mystère? Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. En d'autres termes, tout le monde ne mourra pas. C'est un mystère. Tous ne mourrons pas. Durant cette saison, tous ne mourrons pas. C'est un mystère. Qui sont les personnes qui resteront en vie? C'est un mystère. En faisant quoi? Voilà qu'il va révéler le secret. Nous allons tous être transformés. Nous serons tous transformés. Quel est le secret de la transformation? Allez dans Romains 12. En d'autres termes, la seule chose qui peut maintenir les gens en vie, c'est la transformation. Seuls ceux qui sont transformés vont rester en vie.
Nous possédions la réponse sans les savoir. Il nous le révèle dans Romains 12. Qui sont les personnes qui seront transformées? Est-ce que ceci est la même Bible? Oui. Romains 12, je lis dans quel verset? À l'heure actuelle, nous sommes en train de dispenser droitement la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Donc le corps est une place où la vie peut entrer et où la mort peut entrer. Donc c'est comme une porte. Donc ça doit être sain. Le secret, c'est la crainte de Dieu. Et la transformation est en train de venir. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ne vous conformez pas. Mais ne soyez pas quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez plutôt transformés. Et là, le mot transformation surgit à nouveau. Par le renouvellement de votre intelligence. Ça signifie que cette maladie entre dans la pensée des hommes. À travers la peur. S'il y a une grande maladie maintenant dans le monde, ce n'est pas COVID-19, mais c'est la peur. Je vous l'ai dit que cette chose qui est insignifiante a été transformée en une grande chose. Le petit serpent dans le jardin d'Éden est devenu un grand dragon dans l'Apocalypse à cause de la peur. Il a emmené la peur dans le monde. À la fin, c'est Lucifer qui vous a fait peur, et juste une petite chose. Et les gens seront étonnés de voir qu'il était si petit. Un seul ange est celui qui va le lier. Dans sa façon d'opérer, il cherche à paraître grand à travers la peur. Et c'est ce que cette maladie est en train de faire, générer la peur. Et les Écritures disent, il rugit comme un lion, il n'est pas un lion, mais il cherche à se comporter comme un lion, mais il prétend être un lion. C'est dans la transformation que les gens sont protégés. Et comment pouvez-vous accéder à la transformation? C'est par le renouvellement de votre intelligence. Quand? Tous les jours, je me renouvelle. Tous les jours, en tant que chrétien, vous devez garder vos pensées selon un certain standard. Si vous gardez votre intelligence dans la parole, c'est cela qui va vous protéger de ce virus. Parce que la peur est la porte d'entrée. Voilà pourquoi Job dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Donc la peur est la porte d'entrée. Et la peur réside dans la sphère de la pensée. Nous sommes en train de révéler les secrets de Dieu, n'est-ce pas? Et la vie est en train d'être communiquée. Et tout le monde qui nous suit, la vie pénètre en vous. Maintenant, vous avez les clés de la protection divine. La clé, c'est laquelle? C'est être transformé. Premièrement, craignez Dieu. Deuxièmement, soyez transformé. Soyez transformé. Soyez renouvelé. Soyez transformés, soyez transfigurés. Donc chaque jour, je me réveille d'une nouvelle tenue, je me transforme. Mais si vous gardez le même standard et le même état, c'est alors que le monde se conformera à vous. Et le monde se conforme à cette maladie. Mais nous, nous devons être transformés en une nature différente. Tous les jours, nous sommes dynamiques et nous devons aller de l'avant, beaucoup plus en profondeur dans la présence de Dieu. N'est-ce pas? Continuez à lire. Que vous soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Continue. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.
aller dans le, avant le dernier verset, le même texte. Non, je parle du chapitre 15. Vous parlez de 1 Corinthiens. Oh, vous lisiez Romains. C'est comme ça que j'étais un peu confus. Non, allons plutôt dans 1 Corinthiens 15. Excusez-nous, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Juste une trompette qui va sonner, juste une trompette qui va retentir, juste une trompette qui va occasionner la résurrection des morts partout dans le monde. Juste une trompette pour vous montrer combien est insignifiant la mort. Une seule trompette fera que le monde entier, même ceux qui sont morts dans le péché et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront par le son d'une trompette, juste au son d'une trompette. Voilà pourquoi la Bible nous invite à la vigilance. Est-ce que vous comprenez cela? Grâce à un son, une chose va susciter la vie. La vie. Parler, déclarer à l'atmosphère. Déclarer la vie sur vous-même. Vous allez donc affecter votre atmosphère avec la vie du Dieu vivant. Continuez de lire. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors la déclaration sera laquelle? Alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Donc il y a quelque chose qui peut engloutir la mort, c'est l'immortalité. Ok. Peut-on avancer? Il y a quelque chose qui engloutit la mort, c'est l'immortalité. Et la Bible dit, cette immortalité réside à l'intérieur de nous. Nous l'étendons sur nos corps mortels que nous possédons. La maladie peut surgir, mais l'immortalité en nous l'engloutit. Vous devez travailler donc avec la personne surnaturelle qui vit au-dedans de vous pour être en vie. Voici le moment d'établir une communication avec l'immortalité qui habite en vous. Tu dois commencer à avoir une communion avec cette personne. Vous devez développer la capacité à entrer dans cet endroit où l'immortalité réside à l'intérieur de vous. C'est la place que la Bible qualifie des lieux secrets, des lieux glorieux. Vous avez une place cachée dans l'immortalité. C'est la place où vous êtes protégé. Et quand il arrive que la mort rôde autour de vous, l'immortalité l'avale. La victoire se voit sur la mort à travers cette personne que vous avez à l'intérieur de vous et avec laquelle vous devez communier. Permettez-moi de vous montrer à quel endroit la mort tire sa puissance et commence à engloutir les gens. Et à travers quoi? Permettez-moi de vous montrer aussi qu'est-ce qui donne plus de puissance à ces virus pour créer plus de confusion. Lisez. Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance de la mort, c'est le péché. Cela signifie que vous ne pouvez pas opérer dans la dimension de l'immortalité si vous n'avez pas la clé qui est la crainte de Dieu, une fois de plus. C'est la place où beaucoup de chrétiens échouent et n'y arrivent pas. Elle a beaucoup plus de puissance quand elle rencontre le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est la peur. Dans le Nouveau Testament, le péché ne correspond pas à ce qui est mentionné dans l'Ancien Testament. Non.
Le péché, ce n'est pas seulement voler dans le Nouveau Testament. Le péché, ce n'est pas seulement mentir dans le Nouveau Testament. Le péché, ce n'est pas seulement s'enivrer dans le Nouveau Testament. Le péché, dans le Nouveau Testament, va plus loin. C'est tout ce que vous faites et tout ce que vous vous trouvez en train de faire sans la foi est péché. Tout ce qui n'est pas synonyme de foi est peur. Tout ce que vous faites sous la crainte, lorsque vous péchez dans la peur et vous vous dites, Dieu va me voir, Dieu va voir ce que je suis en train de faire, vous êtes déjà coupable. Cette culpabilité, c'est le péché. Il n'y a aucune conviction en cela. La saison pour laquelle David a réussi à surmonter le péché d'adultère. J'aimerais dire quelque chose ici, mais permettez-moi de continuer parce que nous sommes en direct. Ces choses sont réservées à d'autres enseignements. La raison pour laquelle Abraham a vaincu. Abraham était dans l'Ancien Testament, mais il a connu plusieurs autres femmes. À part Sarah, à part Agar, il avait une autre femme aussi. Qu'est-ce que c'était? À propos de ces hommes, la Bible dit... Ils l'ont fait, vous le lirez dans le livre de Malachie. Agar l'a fait dans la conviction parce que Abraham recherchait un descendant. Elle ne l'a pas fait sous la peur, mais c'était dans la conviction. Voilà pourquoi elle était protégée. Non, je pense, écoutez-moi, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui peut affranchir les gens dans le monde si seulement ils ont les bons enseignements pour savoir le secret de ce que Dieu qualifie de péché dans le monde. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui entreront dans le royaume des cieux qu'on ne soupçonnerait même pas qu'ils pouvaient être là, mais ils vont y entrer par la grâce. Permettez-moi de vous dire, peu importe combien tu pries, jeûne, ce n'est pas une garantie pour entrer dans le ciel. Entrer au ciel est le fruit de la grâce. C'est par la grâce. Seulement, lorsque vous faites les choses avec foi, que Dieu prend plaisir. Mais tout ce que vous faites sans foi, vous péchez devant ses yeux. Si la raison qui vous pousse à rester à la maison, c'est la peur. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous péchez! Vous êtes à la maison tout en péchant. Confiné, mais péchant. Tout ce que vous faites sous la peur est péché. C'est cela le problème dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi la grâce se manifeste dans la foi. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il est. Je ne dirais pas qu'il existe, parce que c'est une mauvaise traduction. Dieu est. Cela signifie qu'il est éternel. Et ils doivent croire que Dieu est et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et au temps des épreuves, la Bible dit, recherchez la grâce qui coule du trône de Dieu. À l'heure actuelle, quelle est la chose à rechercher? C'est la grâce. La grâce pour que nous soyons soutenus. La grâce pour que nous soyons protégés. La grâce pour que nous soyons gardés en vie. Et pour surmonter ce fléau. Wow. Ok. Je pense que vous nous laissez pratiquement sans question. C'est tellement inspirant. Je suis également émerveillé, au même titre que nos téléspectateurs. Je me dis, après ces révélations si limpides, quelles autres questions poser? Avançons, alors que plus de révélations nous sont communiquées. Peut-être devrons-nous revenir à la question sur l'onction et les manteaux, alors que notre programme se poursuit. Vous voyez que la question que les gens posent est totalement
différente. Mais quand on en arrive à la question de l'onction et des manteaux, le meilleur exemple que je peux donner au sujet de l'onction, c'est le roi Saoul, ok? Et le meilleur exemple que je peux donner au sujet du manteau, c'est Élie. Ou même David. Dieu a appelé Saoul. Et il avait oint. Et il a oint pour devenir un roi. Notez ceci. L'onction n'est pas donnée en vain. Il est donné pour un service. Je le répète encore. L'onction n'est pas donnée en vain. Il est donné pour un service. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui, quand ils s'enferment dans une pièce, jeûnent et prient et disent « Seigneur, oins-moi, oins-moi ». Il ne peut pas te donner l'onction à moins que tu aies un service à réaliser avec son onction. Dieu ne gaspille rien. Il ne permet aucun gaspillage. C'est un très, très grand businessman. Il ne gaspille jamais. Il aime seulement les profits. Et depuis le commencement, il aime voir les profits et les bénéfices. Il a dit, j'étais oint pour devenir roi. L'onction est la puissance surnaturelle qui te rend puissant. La royauté est un service. Est-ce qu'on se comprend? Donc le fait d'être roi est un office que vous occupez. Mais la puissance vient de l'onction établie sur votre vie pour vous conduire à l'office que vous êtes appelé à exercer. Quand Dieu est venu vers Élie, je suis sur le point de dire quelque chose et nous allons continuer plus tard, n'est-ce pas? Quand Dieu est venu vers Élie sur la montagne, peuple de Dieu, il a parlé à Élie. Élie, je suis sur le point de t'enlever, comme tu l'as demandé. Tu vas être enlevé. Mais j'ai besoin que ton onction repose sur trois personnes. L'une sera un prophète et les deux seront des rois. En d'autres termes, Élisée fonctionnait avec l'onction royale et l'onction prophétique. Allô? J'ai dit quelque chose ici, je pense, lors d'un service en ligne. J'ai dit qu'au ciel, on n'a pas besoin de l'onction. Les manteaux, on n'en a pas besoin au ciel. Personne n'en a besoin au ciel. Non. On n'en a pas besoin au ciel. On a besoin de l'onction que sur la terre. Les hommes ont besoin de l'onction parce que le diable est sur la terre. Nous avons besoin de l'onction. Les manteaux aussi, on n'en a pas besoin au ciel. Voilà pourquoi Élie, avant d'être enlevé, devait laisser tomber son manteau parce que quelqu'un est déjà le manteau au ciel. Quel autre manteau vous allez emmener? Même pour l'onction, premièrement, il avait transmis l'onction. Premièrement, il avait transmis l'onction à l'un des trois. Voici le problème. Élie, quand il est descendu de la montagne, rappelez-vous, lorsqu'il est descendu de la montagne, Dieu lui avait donné la mission de rencontrer ces trois personnes. Est-ce que j'ai raison? Mais au lieu que Élie rencontre ces trois personnes, la Bible dit qu'il n'a rencontré qu'une seule personne. La Bible ne montre nulle part que Élie était allé voir Jéhu ou l'autre roi. Avons-nous raison ou pas? Il n'a que rencontré Élisée. Comme si il ne pouvait rencontrer qu'un prophète authentique, sa mission sera accomplie. Il n'avait donc pas besoin de trouver les autres. Le prophétique, lorsqu'il peut rencontrer un seul prophète, cela signifie qu'il a également rencontré les rois. Alors, quand il a vu Élisée, la première chose qu'il avait fait avant de le oindre était de lui jeter le manteau. Jeter le manteau. C'est là le problème avec Élisée. Il lui a dit, attends. En quelque sorte, il avait retardé la manifestation de son ministère parce qu'il n'était pas prêt. Mais Élisée aurait pu commencer à opérer sur le champ
en ce moment-là. Mais lui-même avait arrêté cela. C'est compréhensible parce qu'il avait besoin d'un processus, d'être coaché pour être comme Élie. Si vous avez le manteau de quelqu'un sur vous sans le processus par lequel la personne est passée, vous le perdrez. Il a dit à la personne, « Attends, reste avec ton onction et avec ton office. Encadre-moi d'abord jusqu'à ce que je devienne mature et que je reçoive le manteau et votre onction. » En d'autres termes, Élie avait repris son manteau encore une fois. Après l'avoir jeté, il avait repris et il est reparti. Dieu était sur le point de changer l'histoire de Jacob. Le jour où Jacob avait vu l'échelle, c'était le jour où la vie de Jacob devait changer. Mais Jacob n'était pas suffisamment sage. Il a dit à Dieu encore une fois de plus, « Attends. » Comme Élisée l'avait dit à Élie, « Attends. » Est-ce que vous comprenez cela? Jusqu'à ce qu'il ait passé par un processus de 21 ans, et il est revenu et a rencontré un ange. Et il a dit encore à l'ange, « Bénis-moi. » Il pourrait demander à Dieu de le bénir. Être prêt dans la vie est très important. Être prêt quand votre temps est arrivé. Être prêt quand votre saison est arrivée. La question des manteaux et de l'onction exige la promptitude. Exige la promptitude. Quand il est parti, Élie avait en lui l'onction prophétique et l'onction royale. Comme les soldats ont été envoyés contre Élie pour le faire descendre de la montagne, il avait fait descendre quoi? Le feu. Comme s'il y avait un autre roi. Ok, clôturons. C'est comme si il disait, allez dire à votre roi que je ne descendrai pas. Il est votre roi, il n'est pas le mien. L'onction prophétique en moi, je suis un prophète, mais j'ai également l'onction royale. Les anges qui sont à mon service sont si puissants et glorieux. Et pour vous les prouver, je vais faire descendre le feu. Eux, ils n'opèrent pas comme vous, ils opèrent avec le feu. Et le feu était descendu et avait brûlé les 50 soldats. Oh, Jéhovah. Oh, Jésus. Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de dire ici. Durant cette période, il y a plus qu'Élisée. Parce que Christ est ici. Nous avons l'onction royale. Nous avons l'onction sacerdotale. Et nous avons l'onction prophétique. Voilà pourquoi nous pouvons même émettre les décrets sur les nations du monde. Nous pouvons même choisir qui peut devenir président et nous pouvons l'annoncer. Nous pouvons l'annoncer. En d'autres termes, un autre roi peut annoncer qui d'autre peut devenir roi et cela va se réaliser. Nous sommes de ceux qui peuvent dire qui peut mourir dans le gouvernement. Nous pouvons l'autoriser ou pas. C'est difficile pour les gens d'accepter cela, mais nous le sommes. Beaucoup de soldats de Syrie étaient venus pour capturer Élisée parce qu'il était un homme de Dieu qui entendait tout ce que le roi disait. Quelle technologie! Même les USA ne peuvent faire pareil. Même ce que vous pouvez discuter avec votre femme dans le lit, vous pouvez l'entendre. Imaginez quel niveau de haute technologie. Est-ce que vous voyez cela? Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé là où Élisée était. Le serviteur est sorti et il était paniqué. Il a dit, « Papa, il y a des gens à l'extérieur. » Il est sorti et il a dit, « Waouh, c'était des chariots. » Il a dit, « Ne panique pas. Ceux qui sont avec nous sont plus grands qu'eux. » Et quand ses yeux se sont ouverts, il a vu une multitude de chariots. Les chariots n'accompagnent que les rois. La protection n'est réservée qu'aux rois.
Les chariots n'accompagnent que les rois, parce que quand vous sortez, vous devez être accompagné des chariots. Vous êtes prophète dans l'office prophétique, mais vous fonctionnez comme un roi, parce que ces décrets pouvaient produire la nourriture. Il disait, demain à 7h, il y aura de la nourriture. Même le roi ne pouvait pas le faire. Il fallait qu'il y ait un autre roi qui est spirituel, puisse émettre des décrets pour dire, demain à 7h. Rappelez-vous, à le temps de Daniel, il y avait un roi de Perse qui était physique, un autre qui était également roi spirituel. Et celui qui était spirituel, c'est lui qui émettait les décrets qui prenaient place en Perse. Il y a des gens qui sont prophètes, mais qui sont élevés au rang de principauté. Vous changez de sphère. Vous quittez la sphère du simple prophète. Et vous devenez une principauté. En d'autres termes, vous devenez un observateur. Vous devenez un observateur. Vous commencez à surveiller les choses. Ok. Vous allez devenir celui qui sera à l'origine des événements. Vous pouvez même arrêter la réalisation des événements dans le monde. Vous pouvez même permettre les événements qui peuvent se produire dans le monde. Voilà pourquoi la Bible dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel ». Qui sont ces hommes? Ce sont les observateurs, pas tout le monde. Vous pouvez le faire pour votre vie individuellement, basé sur votre onction, mais quand il s'agit des nations, pour empêcher que les choses n'arrivent, vous devez être une principauté. Vous ne devez pas être simplement un simple croyant, vous devez être une principauté, un observateur. Et un observateur est une personne sérieusement dangereuse et il vous surveille. Voilà pourquoi nous faisons des efforts pour atteindre la maturité. Dieu est si grand. Paul dit, je sais qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaie de me contredire maintenant. Paul a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, contre les puissances, contre les dominations. Mais qui peut combattre une principauté si lui-même n'est pas une principauté? Paul s'était élevé au niveau où il était devenu une principauté. Il a dit, quand je suis arrivé dans votre pays, j'ai combattu contre les forces démoniaques, n'est-ce pas? C'est dans le livre des Colossiens. Il a dit, j'ai combattu contre les forces démoniaques, j'ai combattu contre les lions, les animaux. En d'autres sortes, ces principautés apparaissent comme des animaux. Et dans le livre des Révélations, on nous présente une bête qui est même sortie des lois avec différentes têtes. Ces personnes apparaissent comme des animaux. Et ce sont les choses contre lesquelles nous combattons. J'aimerais dire quelque chose, c'est une révélation que j'ai, mais je ne peux pas le dire ici. Je l'ai juste partagé avec ma femme et elle était très, très effrayée. Elle m'a dit, est-ce que Dieu peut utiliser les gens jusqu'à ce niveau? J'ai dit oui. Alors, lorsque vous grandissez et que vous atteignez le niveau des principautés, vous pouvez combattre les principautés. Les principautés vous connaîtront aussi. Lorsque vous allez dans une autre nation, les principautés vont vous respecter, vont vous offrir l'opportunité de faire ce que vous pouvez faire et ne vont pas interférer. Parce que les principautés ne peuvent pas être chassées, ils ne peuvent être que combattus. Vous ne pouvez pas chasser une principauté d'un pays, vous ne pouvez pas. C'est une erreur de voir des personnes qui se tiennent en un endroit et commencent à chasser les principautés. Vous ne pouvez pas chasser les principautés parce que c'est l'endroit où ils sont tombés. Ils ne peuvent pas aller ailleurs. Vous ne pouvez que chasser les démons. La Bible ne dit pas que vous pouvez chasser les principautés. Jésus l'a mentionné, il a dit, vous chasserez les démons, mais pas les principautés. Donc quand vous voyez les gens à l'église jeûner et chasser les principautés, vous n'avez aucune compréhension des choses. Vous combattez de la mauvaise manière. Ces choses, vous ne pouvez que contester contre eux et les réduire au silence. En quelque sorte, vous êtes dominé sur les principautés, vous ne pouvez pas les chasser. Parce qu'ils influencent la façon de penser des êtres humains et des gouvernements.
La seule chose que vous pouvez dire, je suis venu faire ce que j'ai à faire, je suis venu pour les brebis perdues du Seigneur, mais ceux qui sont à Dieu, ne les touchez pas, car je suis venu pour eux. Ne les touchez pas. Si vous essayez, je vous réduirai au silence. Voilà pourquoi l'archange Michel n'a pas chassé Satan, mais il a dit que le Seigneur te réprimande. Les principaux ne peuvent être chassés. Ils doivent être réduits au silence et dominés. Est-ce que je dois continuer? Et Paul, qui comprenait le domaine du combat spirituel, il savait comment combattre et comment conquérir ses forces et ses principautés. Écoutez, les démons sont des petites choses. Les principautés sont ce qui cause ce que nous voyons. Mais ils savent que l'Église est puissante. L'Église est la puissance. Ils peuvent s'élever maintenant. Ce que nous décidons, c'est ce qui va se produire. C'est ce qui va se produire. Oui. Je crois que j'ai répondu à cette question. Je sais que je n'ai même pas encore commencé à répondre. Je crois qu'il faut une nouvelle session. Les personnes étaient en train de prier de la mauvaise manière. Permettez-moi de répondre à ceci. Ok, permettez-moi d'y répondre. Alors, l'onction vous accorde la puissance pour l'office. Vous pouvez grandir dans votre office jusqu'à devenir une principauté. Ok? Mais ça commence d'abord à partir de l'onction. L'onction vous propulse dans un office. Plus vous êtes fidèle, plus vous grandissez. L'office, c'est le manteau. Et l'onction, c'est la capacité surnaturelle, la prérogative, le titre, la chose qui vous donne accès pour opérer dans la puissance. Dieu m'a montré ceci pour que je vous le montre également. Est-ce que je peux vous le montrer? Allons dans le livre de Zacharie. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes toujours là? Si vous êtes là, s'il vous plaît, faites-moi un geste de la main sur Facebook. J'espère que vous êtes là. Ils disent que la parole est profonde. Est-ce que tu es sérieuse? J'aimerais que vous me donniez une offrande de salutation, s'il vous plaît. Zacharie chapitre 4. Ok. Satukadi zatama kute libra hadiza. Tarika skuti miyataya. Jatamaka. Verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla. En d'autres termes, c'est comme s'il disait hey, réveille-toi. Il l'a touché, ce n'était pas spirituellement, mais c'était physique. Donc l'ange l'avait touché, lui a dit, réveille-toi. Comme un homme que l'on réveille de son sommeil, il me dit, que vois-tu? L'ange lui pose la question de savoir, que vois-tu? Donc l'ange dépend de ce que toi tu vois, alors que tu viens du sommeil. Que vois-tu? C'est ça l'office prophétique. Office prophétique. Oh, que Dieu nous aide. Cette chose, j'ai tellement de choses à dire. Je suis rempli des choses que Dieu doit faire durant cette saison, mais permettez-moi de le faire seulement en ligne. Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or. Il avait de l'or sur lui, surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et en reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que signifient ces choses, mon Seigneur ?»
Que signifient ces choses, mon Seigneur? Que signifient ces choses, mon Seigneur? Il a expliqué ce qu'était le chandelier, mais je ne me focaliserai pas sur les chandeliers, mais je me focaliserai sur les oliviers. Les oliviers. Vous aurez l'explication, verset 14, et il dit, ce sont les deux oints. Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. De toute la terre. Qui sont-ils? Qui sont ces personnes? C'est Zorobabel et le prêtre Josué. Josué le prêtre. Ce sont les deux. Vous pouvez le lire à la maison et vous allez comprendre. Les deux oliviers, c'était des êtres humains. Donc, prophétiquement, dans le domaine de l'esprit, lorsque vous voyez des arbres, ce sont des êtres humains. Jésus, à un moment donné, avait... Attendez. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Jésus, dans le Nouveau Testament, après l'Ancien Testament, quand Jésus est mort, le Nouveau Testament commençait. Dans le Nouveau Testament, il avait vu un aveugle. Il avait commis une sorte d'erreur. Il a guéri cet homme parce qu'il était peut-être pressé. Il a guéri cet homme. Il n'avait pas réalisé qu'il avait déjà ouvert ses yeux spirituels dans le monde physique. OK? Pourquoi? Parce qu'il avait craché. Le crachat qu'on interdit aux gens de faire parce qu'il y a le virus à l'heure actuelle. Il a craché par terre. Et il a mixé le crachat qui est devenu de la boue. Nous avons le liquide de la salive et la boue. Et il a mis dans les yeux de cet homme. Et en quelque sorte, c'était la combinaison du physique et du spirituel. Parce que dans le domaine du spirituel, l'eau signifie l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu est décrit comme l'eau, le fleuve qui coule. Donc, il a craché. Il a montré que c'était lui qui avait donné la vie à Adam. Donc, quand il a craché, cela signifie qu'il a soufflé. Il a soufflé sur la terre encore et il a mixé cela et il l'a placé dans les yeux de la personne. Et l'homme a commencé à voir spirituellement. Il a commencé avec la partie spirituelle qui est l'eau, qui était la salive. Et Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, je vois des hommes comme des arbres. Jésus a dit, what? Et Jésus a dit, attends que je le refasse encore. Là, je crois que j'ai touché aux yeux de l'esprit. Attends que je revienne encore pour le refaire. Et Jésus l'a touché à nouveau. Et l'homme a commencé à voir comme les gens voient sur la terre. Jésus a fermé les autres yeux. Donc, c'est comme une erreur spirituelle. Est-ce que vous comprenez cela? En quelque sorte, imaginez, les êtres humains dans le domaine de l'esprit sont comme des arbres. Je vous pose cette question. Suivez-moi attentivement. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Qui sont ces arbres? Étaient-ce des êtres humains ou des arbres? Pour vous dire que les arbres que Moïse a décrits n'étaient pas des arbres, c'était des êtres humains. C'était des êtres. Je ne dirais pas des êtres humains, mais c'était des êtres. C'était peut-être des êtres spirituels ou physiques, mais moi je crois que c'était des êtres spirituels. OK. La Bible dit, je suis le cep. Jésus s'est décrit comme l'arbre de vie. Lorsque vous voyez Jésus spirituellement, il est l'arbre de vie. Il est le vrai cep. C'est l'arbre de vie. Vous ne pouvez pas porter du fruit sans moi. Donc, vous êtes des branches. Et que Jésus est la vigne et son père est le vigneron. Donc, Jésus est un arbre. Donc, nous aussi, nous sommes des arbres. Dans les jardins d'Éden, c'était des êtres. Et celui dont il avait dit, ne vous approchez pas,
Celui qui avait la connaissance du bien et du mal, c'était un être. Celui qui avait la connaissance du bien et du mal, c'était Lucifer. Et à partir du moment où Ève avait entendu Lucifer, il avait consommé le fruit. Et qu'est-ce que c'est que ce fruit? Ce sont les faux enseignements. Les faux enseignements. Ah! Attendez un instant. Je vais vous montrer ce que les faux enseignements peuvent produire. Allons dans les livres de Malachie. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Malachie, chapitre 2. Malachie 2, verset 5. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes, car les lèvres du sacrificateur doivent faire quoi? Doivent garder la science. Et le fruit qu'il a mangé, c'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Comment est-ce qu'un arbre peut faire ressortir de la connaissance? Ça devait être un être. Donc, c'est un sacrificateur qui avait la responsabilité d'enseigner. Cela signifie que Melchisedec était déjà dans le jardin d'Éden comme l'arbre de vie prêchant la vie. Est-ce que je dois m'arrêter ici? Continuons, ça devient très intéressant. Melchisedec était déjà dans le jardin d'Éden, prêchant quoi? La vie. Mais il y avait un autre être qui était en train de prêcher le mal et les faussetés, c'était Lucifer. Il ne fallait pas s'approcher de lui, c'est un serpent, il est dangereux. Continuez de lire. Et c'est de sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écarté de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Donc, les enseignements des personnes ont occasionné la chute de plusieurs. Si aujourd'hui dans le monde, beaucoup de gens tombent, c'est à cause des enseignements. Si vous écoutez les enseignements de quelqu'un qui n'est pas spirituel et qui n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu, vous écoutez à Lucifer. Voilà pourquoi les prédicateurs seront sévèrement jugés. Oui. C'est très important. Voilà pourquoi j'ai dit n'écoutez pas n'importe quoi. N'écoutez pas n'importe quoi. Oui. Je suis toujours en train de continuer à te répondre. C'est tellement profond. Je crois qu'il y a des gens qui sont en train de s'étonner maintenant. Les gens sont éclairés parce que nous avons une grande révélation là-bas. Les gens continuent de penser que le fruit que Ève avait consommé, c'était une pomme. En fait, la connaissance, quand il en arrive dans le domaine de l'esprit, ça se manifeste comme un fruit. C'est comme si vous consommez un fruit. Voilà pourquoi quand vous écoutez la parole de Dieu, vous sentez comme si quelque chose entre en vous. C'est ce que je ressens maintenant. C'est comme si vous avez mangé quelque chose. Donc vous êtes en train de consommer un fruit. Et Ève était exposée à un enseignement pernicieux que ce faux prêtre lui avait donné, qui était une fois déjà dans le ciel et qui avait été déchu. Avant qu'il ne soit déchu sur la terre, il avait déjà enseigné certains anges dans le ciel comment trahir Dieu. Vous voyez? Il a enseigné certains anges. Il a regardé au Dieu qui est saint jusqu'à faire ressortir quelque chose de malveillant. Donc, ses enseignements pernicieux ont commencé depuis le ciel.
The perfect le Dieu parfait, mais il a quand même trouvé un endroit pour décrire qu'il y avait quelque chose de mal en Dieu. Donc c'est quelqu'un qui a commencé, c'est le premier qui a commencé à pécher, ce n'était même pas Adam. Le premier à pécher, c'était Satan. Il a péché contre Dieu. Cela signifie que les enseignements pernicieux ont commencé avec Lucifer. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était Lucifer et Melchisédek. Voilà pourquoi quand Abraham est allé conquérir les rois, quand il les a vaincus pour délivrer Lot, la Bible dit que les rois de Sodome et Gomorre, qui étaient les rois de Sodome et Gomorre, c'était le diable. Lisez, examinez les noms. J'étudiais les noms des rois de Sodome et Gomorre qui étaient venus pour clamer les trésors parce qu'ils voulaient réclamer les trésors auprès d'Abraham. Ils voulaient réclamer les gens. Abraham a dit, je ne prendrai pas vos trésors, je ne prendrai que ceux qui m'appartiennent. Mais regardez, Melchisédek, quand il est venu pour bénir Abraham avec la vie. Il est venu avec le pain et le vin. Ça, c'est Jésus. Donc, vous pouvez voir ces deux êtres. Ils sont toujours là. Depuis le jardin d'Éden, ils continuent à se déplacer. Ils sont toujours là. Et ils continuent d'opérer. La guerre continue. Mais Jésus a déjà vaincu. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que je peux te répondre? Ok, je serai plus direct. Elijah, ok, Élie a terminé et il a donné l'onction. Saul received the anointing to become king. Il a donné l'onction pour devenir roi. Lorsque Saul était rejeté par Dieu, est-ce que Dieu avait rejeté Saul comme son roi? Ou l'avait rejeté comme roi. Dieu a rejeté Saül comme roi, mais pas comme son roi. Lorsque l'onction vient sur une personne, l'onction est irrévocable. Mais votre office peut être révocable. Voilà pourquoi Satan est toujours un chérubin roi, mais il est rejeté. Il n'a plus aucun office, mais il est toujours roi. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il y a tellement d'onction en lui qu'il ne peut pas en manquer ni être épousé. Il en a tellement trop. Lorsqu'il te voit et lorsqu'il voit ces êtres et qu'il leur donne un office, Saul était rejeté en tant que roi, mais pas comme un roi de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ne touchez pas à mes rois. En d'autres sortes, lorsque vous touchez au roi de Dieu, même s'ils sont déchus, vous touchez à l'onction. Et vous commettez une erreur. Donc, les offices peuvent changer. L'office peut être occupé par quelqu'un d'autre. Lorsque quelqu'un meurt, une autre personne peut occuper son office, comme l'office de Reinhard Bonnke, parce qu'il est mort, quelqu'un d'autre peut l'occuper. L'office de Billy Graham, quelqu'un d'autre doit l'occuper parce qu'il est parti. On n'a pas besoin d'onction au ciel. Permettez-moi de vous choquer. Permettez-moi de vous montrer ceci. La Bible parle de quelqu'un qui avait été puissamment loin dans le Nouveau Testament. Il était très sage. On lui avait imposé les mains. Par Pierre, Jean et Jacques, parce qu'il y avait des contestations dans l'église, parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui circulait en ces temps-là. Et ils ont appelé Philippe et Étienne, venez, ils leur ont imposé les mains, ils avaient reçu l'onction et la puissance. Et Étienne était sérieusement loin. Et la Bible dit qu'Étienne est en train de faire des grands miracles et des prodiges. Cela avait causé un chaos. Suivez-moi attentivement. Cela a causé un chaos. Et dans ce chaos, cela avait ouvert la porte à la tribulation. Et lorsque la tribulation était entrée, on avait voulu tuer Étienne. Et c'est vrai, ils avaient réussi à tuer Étienne. Dans les cercles des gens qui tuaient Étienne, savez-vous qui était là?
Saul était là. Saul était en train de regarder et il a participé. L'erreur que Saul avait commise, il n'allait pas être le Paul d'aujourd'hui, mais Saul avait pris les vêtements d'Étienne. Voilà pourquoi dans le ministère de Paul, même ses vêtements chassaient les démons. Pourquoi tout a commencé à travers les vêtements qu'il avait reçus. Il a pris les vêtements, il s'en est allé avec chez lui à la maison. Sans savoir que, de la même manière que Élie était parti, de la même manière que Étienne était parti, la Bible dit que quand il mourait, il a regardé, il a vu le Seigneur se lever. En d'autres termes, les chariots du ciel étaient prêts pour recevoir Étienne au ciel. Pour recevoir Étienne. Et Étienne est parti, mais il avait laissé son manteau à travers qui? À travers Saul. Saul ne savait pas qu'il avait reçu le coronavirus en touchant et en gardant les vêtements. Et le virus de la puissance du Saint-Esprit est entré en lui à travers les vêtements. Sans savoir que la même révélation que Étienne avait reçue de la manifestation de Jésus, cela a commencé dans la vie de Paul. Lorsqu'il était dans son chemin vers Damas, il a vu soudainement de la même manière que Jésus apparaissait à Étienne, il est apparu à Paul. Comme le niveau de Paul était très bas, il lui a causé la cécité. En quelque sorte, c'est comme ce qu'on a parlé au sujet de l'arbre. Et après, il a commencé à revoir. Cette Bible, la même Bible. Mais il a commencé à dire, qui es-tu Seigneur? Et il a dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Soudainement, il avait vu, il a dit, tu es un de mes serviteurs, tu as le manteau, tu as l'office. L'office est vide, tu dois entrer dans cet office parce que celui qui était là n'est plus là. Occupe-le maintenant, immédiatement. C'est comme ça que Jésus devait venir avec une telle rapidité pour se révéler à Paul parce que cet office devait continuer. Voilà pourquoi Paul était aussi puissamment utilisé comme Étienne, très puissamment. Il a continué le ministère d'Étienne. Il a terminé le ministère d'Étienne. Paul, à travers les vêtements, il a reçu le transfert de l'onction. Et la Bible dit que Dieu a commencé à faire des très très grands miracles entre les mains de Paul, à telle enseigne que même les mouchoirs qui touchaient son corps, à travers eux, les miracles ont commencé. Son ministère a commencé à travers les vêtements. Je crois que je vais vous laisser ici. Vous pouvez être rejeté d'un office, mais pas par rapport à l'onction. L'onction demeure. Donc, il y a une différence entre être loin et avoir le manteau. Ouais. Ça me rappelle une histoire que j'ai entendue, homme de Dieu. Il y avait un homme de Dieu qui avait commencé à se livrer à l'ivrognerie. Il était tombé. Comme vous dites, ne touchez pas mes oies. Il était en train de marcher dans un village et il était ivre en ce moment-là. Et il a rencontré une femme dont l'enfant était mort. Et la dame était en train de courir et dire « Mon enfant est mort, mon enfant est mort », portant ainsi sa petite fille. La dame a vu l'homme et l'homme lui a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et la dame a dit « Ma fille est morte ». Et l'homme a dit « Donne-moi ton enfant ». Il était ivre. Il a dit, pasteur, vous pouvez avoir l'enfant. Et l'homme a pris l'enfant, il a regardé au ciel, il a dit, Dieu, tu as tué cet enfant alors que moi je suis ivre, je ne pourrai pas le ressusciter. Comme je suis qui je suis, si tu veux que cet enfant reste mort, prends-le. Et le pasteur ivre a projeté l'enfant en l'air. Lorsque l'enfant est tombé par terre,
L'enfant est revenu à la vie en toussant. La même onction qui travaillait avec lui a maintenant ressuscité un enfant. Il lui a dit à la dame, rentre à la maison, ne le dis à personne. Voilà, donc l'office et l'onction. Oui. Vous avez les réponses? Si vous voulez que je continue, on peut rester ici jusqu'au soir. J'aimerais juste connaître quelqu'un ici. Nous aurons certainement une autre session parce que c'est vraiment intéressant. Cette période, les gens sont à la maison. Vous nous avez demandé d'ériger des hôtels. Nous voulons que vous puissiez aider quelqu'un à comprendre qu'est-ce qu'un hôtel, parce qu'il y a des gens qui ont des aspects religieux dans leur pensée. Il y a quelqu'un qui dit, quand j'érige un hôtel, est-ce que c'est un endroit qui doit être visible, c'est peut-être un endroit secret. Qu'est-ce que l'hôtel? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est peut-être un endroit qu'on doit placer au coin de la maison pour dire à quelqu'un que personne ne touche là-bas, que personne ne s'approche de là. Il y a une confusion. C'est quoi ériger un hôtel? Ça va nous prendre encore peut-être une heure. Dans des mots simples, je crois que je l'ai enseigné. Un hôtel, c'est la place où votre ciel est ouvert. Votre ciel est lié à la place où votre hôtel est érigé. C'est la place où vous communiquez avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'hôtel, c'était du bois. On mettait par exemple des pierres et puis on mettait le sacrifice au-dessus. Un hôtel est une place où on communie avec Dieu. Et là où tu communies avec Dieu, Dieu ne peut communier sans un sacrifice. Il dit, ne venez pas dans ma présence les mains vides. Comme un signe de respect et d'honneur et de crainte, pour respecter sa majesté, vous devez venir avec un présent. Je vous donne un exemple. Lorsque vous allez dans l'Ancien Testament, que vous venez près d'un roi, vous devez venir avec un présent au roi. C'est de la même façon. Dieu est un roi, le roi des rois. Vous ne pouvez pas venir dans sa présence les mains vides. Et lorsque même tu pries à la maison, tu dois l'honorer à travers l'autel. Et l'autel est la place que toi-même tu choisiras dans ta maison. Ça peut être dans la chambre, ça peut être dans le salon, mais un endroit secret où tu communies avec Dieu. Et c'est cela ton hôtel. Ici, c'est un hôtel, par exemple. La place secrète où tu communies avec Dieu, où tu l'honores avec ton offrande, c'est là ton hôtel. Les portes du ciel s'ouvrent là-bas. J'ai simplement précipité les choses à cause du temps. Nous allons réserver les prochaines questions pour une autre opportunité. Vous ne pouvez pas voir un hôtel sans un sacrifice. C'était très intéressant. J'aimerais vous regarder, Pasteur Sam, et vous demander qu'est-ce que vous avez retenu, parce qu'il y a eu beaucoup de choses que nous avons apprises. Vous savez, lorsque quelqu'un a mangé, l'idéal, c'est de prendre un peu de répit. Après la digestion, c'est alors que vous pouvez parler. Mais mesdames et messieurs, nous avons une voix en ce moment. Nous avons une voix dans la cité de Nairobi, située sur Road A, sur Likoni, sur Mombasa Road, sise à l'église CLG Maranatha. Il est le gardien de cet hôtel. Il est mon père, le prophète Joël Utuka. Il n'est pas seulement un prophète pour nous. Il est également un homme envoyé aux nations, et notamment la nation du Kenya, et pour l'Est-Afrique dans son entièreté. Lorsque les opportunités se présenteront à nouveau, nous vous demanderons de vous joindre à nous pour que nous puissions apprendre, parce que c'est à cet endroit que nous voyons les miracles se produire. Et nous voulons vous inviter encore et encore, alors que nous sommes peut-être en direct dans les jours qui viennent, continuez à vous connecter à nos pages sur Facebook, continuez à être connectés.
Je sais que vous avez été ici en ligne. Tout ce que nous avons appris, Dieu avait oint quelqu'un au nom de Samuel, le prophète, et il n'y a aucune de ses paroles qui était tombée à terre sans se réaliser. Il n'y a aucune parole qu'il avait prononcée qui n'a trouvé aucune réalisation. Ses paroles également ne vont pas tomber à terre. Et avant que nous terminions, j'aimerais que notre Père dans le Seigneur prie pour nous, pour la bénédiction finale. À Dieu toute la gloire, partout où vous êtes, permettez-moi de prier pour vous, que cette saison, en ce moment, que cette saison vous bénéficie et que cela vous impacte. J'aimerais prier pour tout le monde, partout où vous êtes, que ces enseignements soient la lumière dans votre esprit et que cela vous pénètre maintenant. Partout où vous êtes, j'aimerais que vous soyez dans un endroit où vous pouvez prier tranquillement. Je prie pour qu'au nom de Jésus, Saint-Esprit, intervient dans les cas de tes enfants qui ont écouté ces enseignements aujourd'hui. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. J'entends les anges chanter « Alléluia, Hosanna ». La victoire a été donnée. La victoire a été donnée. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Père. Dieu va réaliser des nouvelles choses dans les jours qui viennent. Dans peu de jours, Dieu va faire des nouvelles choses dans le monde. Des nouvelles choses. Une nouvelle chose est sur le point d'arriver dans le monde. Par conséquent, Dieu, je prie pour que toute personne qui m'écoute maintenant et qui est sous l'influence de ma voix, que de la même manière dont tu as guéri mes bien-aimés, je prie pour que quiconque est la cible de l'ennemi, je prie maintenant au nom de Jésus qu'ils ne vont pas tomber dans les pièges de l'ennemi, le diable. J'active la protection angélique sur toutes les personnes qui m'écoutent maintenant, qu'ils ne vont pas être sous les oppressions démoniques et les attaques démoniaques au nom de Jésus. Par le pouvoir de la puissance du sang de Jésus, nous sommes sécurisés et protégés. Et nous sommes protégés divinement. Nous élevons ton saint nom, Dieu merveilleux. Bénis leurs sémences, bénis les offrandes, bénis les dîmes, bénis quels que soient les moyens qu'ils ont utilisés pour nous atteindre, pour envoyer leurs contributions. Je prie, comme tu as dit, que le dévoreur ne pourra pas consumer. Permets que tout ce qui est comme un insecte ou un virus qui cherche à dévorer tes enfants, que ce mal soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Je demande par la main de Dieu que chaque âme soit préservée et gardée par le sang de Jésus. Je bénis cette journée, je bénis cette semaine. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous déclarons la paix dans chaque maison au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.